Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ça va et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous avez beaucoup demandé. C'est 15 faits sur nous. Donc je vous laisse avec la vidéo. Premier fait, Mélodie est une fille unique. Alors pas tout à fait, elle est née avec des frères et sœurs, mais sa mère les a tués. On sait pas trop pourquoi, mais en tout cas il en restait qu'une et c'est Mélodie. Par la suite, sa mère, elle a remis bas encore une fois, sauf que tous les petits ont été malheureusement tués aussi. Donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est la survivante. Deuxième fait, Opus et Mélodie sont demi-frères, demi-sœurs. Ils ont le père en commun. Donc pour tous ceux qui demandent est-ce que vous allez faire des bébés avec les deux, et ben non, parce que déjà Mélodie elle est stérilisée et en plus ils sont demi-frères. Bah alors ? Non mais regardez-moi ça. C'est normal qu'elle râle. Bisous. Ouais. Troisième fait, Mélodie a peur de l'orage et des feux d'artifice. À chaque fois qu'il y a de l'orage ou un feu d'artifice, elle se cache, elle va au fin fond de la maison pour se cacher. Quatrième fait, Opus n'a pas peur de l'orage ni des feux d'artifice. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ma vidéo où Opus regarde le feu d'artifice, mais il était serein. Cinquième fait, j'ai attendu 5 ans avant d'avoir mon premier chien, donc Mélodie. Quand j'étais plus jeune, je voulais absolument avoir un chien, mais on habitait dans un appartement, donc c'était pas trop pratique et mes parents ne voulaient pas. Sixième fait, Opus, c'est le chien de mon copain. Donc il est à son nom, mais c'est pas pour autant que je ne l'aime pas. Septième fait, Opus et Mélodie sont des bons chiens de garde. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe devant le portail, ils aboient. Donc c'est un peu embêtant des fois, mais ils gardent. Huitième fait, Mélodie a peur des enfants. Alors pas tous, je dirais les enfants qui ont vers 5 ans. Je vous rassure, elle attaque pas, elle est juste un peu méfiante et elle a la queue basse. Elle va pas s'approcher comme ça d'un enfant. Alors qu'Opus, il s'en fout complètement, il adore. Neuvième fait, Opus adore les oreilles. Je pense que vous l'avez vu dans certaines vidéos où il me lèche les oreilles. C'est vraiment son truc, il va toujours chercher les oreilles pour lécher. Pas le visage, non, non, les oreilles. Dixième fait, Mélodie a peur des harnais. Donc même quand on dit harnais, elle tourne la tête et elle sait ce que c'est. Elle déteste ça. À chaque fois qu'on lui montre, elle s'enfuit en courant. Et on sait pas pourquoi, j'ai essayé de l'habituer avec des friandises, mais c'est vraiment pas son kiff. Une fois qu'on a mis son harnais, elle fait une drôle de tête et elle reste figée, elle bouge plus. J'ai parlé avec vous de ce point et vous êtes nombreux à me dire que votre chien fait pareil. Donc dites-le moi en commentaire. Onzième fait, Mélodie adore prendre ma place dans mon lit. À chaque fois que je vais me coucher, je la retrouve ici, posée, en train à moitié de dormir, sauf que c'est ma place. Du coup, ça m'embête de la pousser, mais je suis un peu obligée. Sinon, à chaque fois que je me lève, c'est sûr que je la retrouve à ma place. Onzième fait, Opus suit tout le temps Mélodie. Quand Mélodie va quelque part, Opus est toujours derrière. Et des fois, ça saoule un peu Mélodie et elle commence à s'énerver. Treizième fait, Opus regarde tout le temps la télé. À chaque fois qu'il y a un reportage à minimalier ou alors des bruits un peu chelous, il est là, il est devant la télé, il tourne la tête, il essaye de comprendre. C'est vraiment super marrant. Beaucoup de chiens le font aussi, mais Mélodie ne le fait pas. Quatorzième fait, Mélodie, Opus et les poules, c'est une drôle d'histoire. Faut savoir que j'ai 3 poules à la maison et au début, quand on n'avait pas Opus, Mélodie détestait les poules, enfin détestait, elle savait pas trop ce que c'était et elle voulait les attraper. D'ailleurs, petite anecdote, elle en a attrapé une qui est du coup morte. Mais depuis, elle n'y touche plus. On peut laisser les poules gambader dans le jardin, Mélodie avec, et elle ne les touche plus. Donc je suis vraiment fière d'elle sur ce point. Et depuis qu'Opus est arrivé à la maison, on a essayé depuis tout petit à l'habituer avec les poules, mais ça n'a jamais marché. Il veut toujours les attraper. Dernier fait, Mélodie et Opus ont failli se noyer. Si vous voulez une story time à ce sujet, dites-le moi en commentaire. Opus, tu viens finir la vidéo? Allez, viens loulou. Dès que tu termines la vidéo. Coucou. Mais ça va pas, lâche-moi, j'ai rien demandé. Donc voilà, j'ai fini la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire en dessous de la vidéo, à vous abonner. Venez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc on a Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat, c'est Mélopus by Léa. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.
T'éteins la caméra? Tu vas éteindre la caméra? Pourquoi moi? Tu peux te lever aussi. Oh, faut tout faire ici, hein. Allez, pousse-toi, ma puce. Gouille de bouille. T'es un sacré coquin, toi, hein.